L'autre soir, on regardait une connerie à la télé avec ma femme, je crois que c'était L'amour est dans le pré, quand elle se met à faire des grands gestes, à gesticuler dans tous les sens à cause d'une prétendante mal habillée. Elle était fringuée comme en 40, en 1840. Oh, je lui dis, tu te prends trop la tête, là. Elle me dit, oui, mais c'est parce que j'ai les cheveux devant le visage. Je lui dis, te cherche pas des excuses et continue donc de pomper. Et puis, vous avez jamais remarqué comme les femmes, elles peuvent changer de comportement, puis goût vestimentaire, surtout pendant les soldes. Bah, tu vas pas porter ça que je lui fais. Oh, bah une promo à moins 70%, ça se refuse pas, puis ça va bien avec mes yeux. Ouais, mais là, t'as les yeux plus gros que le ventre, hein. Il y a environ 120 kilos d'écart entre le prix d'origine, hein. Même Babar, il rentrerait pas dedans, là. Oui, Babar, c'est le fils homo du voisin. Lui aussi, de temps en temps, il est en solde. Comme quoi, les hommes et les femmes réagissent différemment. Je compte faire avec ma femme comme le gouvernement et M. Hulot, ils ont fait ces derniers temps. C'est-à-dire lui cracher à la gueule, lui faire croire que c'est de sa faute, et puis je vais aller acheter des clopes, tiens. Bonsoir mes petites chéries, bienvenue dans ce nouvel épisode des Tanches de la réalité saison 37. Alors, voyons. J'ai reçu du courrier, je me demande qui ça peut bien être. Ah, le plaisir quotidien du courrier. Oh, fais chier, encore une facture! Toi aussi, utilise VECRA! Hey, bonjour! Je suis le producteur de cette publicité. Et vous savez, pour mon moral, moi le matin, quand je suis sur un bon gros dossier, je fais toujours appel à mon acteur de chez Starpy Productions. Le soulagement est immédiat. Alors toi aussi, pendant ton couronnement matinal, fais appel à Starpy Productions. Starpy Productions, pour un transit beaucoup plus fluide. Starpy Productions, disponible sur Facebook, Twitter, YouTube et YouPorn. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de DCD Musique. Alors, aujourd'hui, je reçois Starpy. Bonjour Starpy. Je ne te présente évidemment pas, puisque tu es quand même l'un des artistes sans talent qui a vendu le plus de cassettes audio en 2018, hein, quand même. Un record mondial, hein, d'après mes fiches, puisqu'en un mois seulement, tu es à la tête des ventes avec pas loin de deux cassettes vendues. Ce qui t'a valu aussi le titre de cassette de platine, grosse récompense des Music Awards Inuit. Alors, quel effet ça fait, j'ai envie de te demander? Ouais, c'est une grosse récompense, ouais, mais bon, ça va, j'ai la tête sur les clavicules. Ce qu'il y a, c'est que mon père, il était reproducteur avec Jordi, ça m'a ouvert beaucoup de portes chez Universal Music. Alors, bah ouais, j'ai fait ça pendant un an et demi là-bas, vous savez pas tout ce qu'on peut trouver dans les placards à balai, hein. Alors, tout de suite, je te propose, je vous propose, de regarder un extrait de son clip. Plus petit que Slim Shady. On me dit dans l'oreillette qu'apparemment un crayon serait resté coincé dans l'une de tes deux cassettes vendues, ce qui fait que bah du tout ça annule complètement ta récompense, hein. Je vais devoir la récupérer. De toute façon, excuse-moi de te le dire, hein, mais ton clip c'est de la merde. Mais non, c'est ma récompense, je te la donnerai pas. Là, c'est la mienne, non? Non, là, c'est la mienne. Bonjour, suite à un incident technique, la chaîne vous propose tout de suite les restes de vos programmes. Vous avez découvert à Ibiza, en Égypte, au salon de l'auto, de l'aéronautique, en prison. Découvrez-les maintenant en Syrie. Vince, tu peux venir avec moi à la piscine, que je te parle en privé. Oh, Daisy! Ah ouais, bah si tu veux, on se parle en privé, bien sûr. Merci tout le public d'être venu me voir ce soir, donc n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver à la Rochefourchat le 25 décembre, Majastre le 1er janvier, Auban et Orne le 12 et 30 février, Baran et Kobul le 31 et Orne le 21 septembre. Je remercie tout mon Tu vois ça? Ça, c'est mon terrain. C'est ici que je peux dealer tranquillement. Mais dis donc, Jamy, tu sais comment je vais blanchir mon argent? Maintenant que j'ai plein de flouze, je ne sais plus. Ça y est, Clara. Je suis sur place. J'apporte les ordres.